maintenant, et vous, monsieur le futur majordome, nous arrivons en fin de cette formation après 15 jours très intenses, mais je pense très joyeux aussi et plein de, voilà, de belles rencontres. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma maison. Je crois que ça a été une bonne session et que vous avez été tous très heureux d'être là. Je sais que vous avez très gentiment préparé quelque chose, un petit témoignage pour nous parler de votre expérience ici. Et je vous en remercie beaucoup. Nous sommes mercredi et nous allons nous quitter avec beaucoup de tristesse. Alors, Madame de Valroger, Madame Marceau, nous vous remercions pour cette formation de gens de maison dans ce cadre somptueux, avec un esprit agréable et convivial. Vous nous avez appris et transmis vos savoir-faire avec la tenue, le maintien, les gestes, posture et l'élocution d'élégance et de raffinement sont à adopter. Où la discrétion et la rigueur sont de mise pour ce métier d'excellence de personnel de maison. Merci beaucoup. Je crois que Anna s'est fait le porte-parole de vous tous. Anna est destinée certainement à prendre la gouvernance d'une maison, comme vous toutes, maintenant ou dans quelques mois. Et je vous remercie infiniment. Nous sommes très touchés, Laurence Marceau et moi-même, de ce témoignage extrêmement chaleureux et très amical de votre part. Merci beaucoup. Alizée, je crois que vous, qui avez rejoint cette formation, vous avez aussi un petit mot à nous dire. Oui, en effet, donc je tenais également à remercier Madame Marceau et vous, Madame de Valroger, de m'avoir accueillie ici, dans votre demeure, afin de donner l'opportunité de suivre cette formation au métier de gouvernante et de majordome. Et je tenais également à remercier tout le monde, donc tous les candidats et toutes les candidates à ce métier de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné beaucoup d'éléments qui me serviront, j'en suis sûre, pour ma thèse. Voilà, merci.